Elle est où d'ailleurs cette embouchure? Cette embouchure qui marche pas, elle est où? Terrible. Bien là, on vient dans l'atelier d'Henri pour faire des nouvelles embouchures. Parce que la recherche sur les embouchures, c'est jamais fini. Et donc, il faut faire un travail à la fois de conception générale, puis après d'affinement avec des tout petits papiers de verre. On s'est rendu compte de différentes choses, c'est que la forme des bords a une importance extrême, et que le matériel, en fait, nous incite à avoir des fois une autre attitude vis-à-vis de lui. Et que donc, le bon matériel, ça n'existe pas. Le matériel, c'est le matériel dont on est capable de se servir dans une esthétique donnée. Après, finalement, un certain nombre de tâtonnements qui sont non pas tant le produit de la recherche, mais que le produit du dialogue entre ce que le matériel va nous dire et ce que nous, on a envie de faire. Henri, alors normalement vous faites des flûtes, pourquoi est-ce que vous vous mettez à faire depuis un petit moment déjà, à faire Ouais, des ça cornets? Ça fait un petit fait moment, ouais. vraiment longtemps. Comment vous vous êtes mis à faire des Bah, en fait, cornets? il se trouve que les cornettistes sont souvent flûtistes à bec. Bon, il y a aussi des trompettistes, mais il y a pas mal de flûtistes à bec, ouais, de cornettistes qui viennent de la flûte à bec. Et donc, le premier cornettiste avec qui j'ai travaillé, c'était Jean Tubéry, qui faisait aussi de la flûte à bec. Et donc, je l'avais comme client en tant que flûtiste à bec, et il m'a demandé de travailler un peu sur les cornets. Et comme c'est un domaine complètement, qui était encore plus à l'époque vierge, quoi. Il y avait très peu de gens qui travaillaient là-dessus. Donc on a été amené très vite à faire du développement, de la recherche. Donc j'ai commencé comme ça, et puis un petit peu, et puis rapidement je me suis mis à travailler avec William Longoy, avec lequel on a développé énormément de choses dans tous les domaines, du cornet à bouquin, quoi. Et il se trouve qu'en fait, moi, à l'époque, je travaillais avec Jean Tubéry. Donc c'est lui qui m'a amené dans C'est cet lui qui t'a atelier. amené ici, oui. Et puis moi, je suis resté. C'est un peu fermé.